Allez. Après, comme j'ai dit, c'est pas très grave. Cette zone, elle est plus ou moins optionnelle. Hein. Vous pouvez tout simplement passer, enfin récupérer Pharo, et après passer et partir, tout simplement. Ou alors vous pouvez tuer tout le monde, ou alors vous revenez plus tard. Enfin voilà, quoi. C'est un peu la zone simple à faire. Bon, il faut toujours quand même rester concentré, mais c'est pas très dur. And help bring light back to the zone. Come to me. Come to Lux. Did you hear that voice? That was weird. Keep your guard up. Take a chill pill, all right? If the voice wants to bring light to the zone, I'm all for it. All in, me. Come on, let's find this Lux. Faut trouver Lux. Et Lux est juste là. On va aller lui parler directement. Welcome to the Castle of Light. Forgive me for not providing the illumination this castle is known for. I pray that someday we will once again become a beacon of light for weary travelers. I swear it. You got a nice place here. Would your name happen to be Lux? We heard you outside. Lux, I am. You say you heard my voice in the zone? Quite interesting. Perhaps the fates brought you here. You look strong, well armed. You get things done, yes? Hells yes. We're stalkers. We take everything the zone throws at us and then some. Then I humbly request your assistance. There is a pack of renegade ghouls who wish to keep the zone in darkness. They stole the key to the sacred sanctum, where the lights get their power. Perhaps you can help me recover this key from the ghouls. It's a special key. You wouldn't miss it. Return it to me and I'll reward you handsomely. I like handsome rewards. We'll deal with the ghouls and get your keys. Donc on a notre nouvelle mission, c'est d'aider Lux. Alors ça c'est une quête plus ou moins optionnelle. Attendez que je réfléchisse. Ouais, non, c'est complètement optionnel. Ouais. Par contre, c'est une quête avec plusieurs fins. Une des fins va finir avec un combat. Un combat assez difficile, en fait, si vous n'êtes pas préparé. Donc faites attention à ça. Mais bon, on en parlera plus tard quand on sera dans ce combat. Mais voilà, si vous en êtes là, faites gaffe. Faites gaffe, parce que si vous voulez partir pour le combat, c'est assez compliqué. On va dire qu'il y a beaucoup de personnes en même temps. Donc ça fout un peu la merde. Donc faites attention à ça. On peut passer par le trou. Oui. Cette zone, il n'y a pas d'ennemis. Hein. En tout cas, pas encore. C'est la prochaine zone où c'est qu'il faut trouver la clé. Là, je cherche juste des ressources. Hey, il a eu 800 Lux guy seemed pretty cool, right? I hear you there. Seems like he can be a friend. I don't have friends. Well, except you lot. But another friend would be cool. Lux's lights are a beacon of hope for the zone. Let's turn them back on. We're gonna have to convince those ghouls to give us back the key. We shouldn't go further into the zone until we find your friend Hammond. Voilà, voilà. Elle vient de dire ça parce que on s'est approché en fait d'une zone. En fait, on s'est approché de là alors que nous on doit aller à droite. C'est pour ça qu'elle a dit. Hein. On doit trouver Hammond. On a 800 de métal, de ferraille. Bon, voilà, on est bon. On va pouvoir continuer.
on va changer par contre les habilités. Voilà. On va voir si on peut faire quelques kills, genre 2-3 kills, pour reset les habilités. Je pense que avant de continuer, on va retourner au robot et finir la zone. Comme ça, ça s'est fait. This is like that scary story. Lumbering Jack? The giant ghoul who cut down trees with his fingernails. You all know what I'm talking about. We better find Lux's key. I don't want to be here when Jack gets back. Jack. The look on Lux's face when we robbed him blind. I love being a ghoul. The look on his face when we stole his key. Now his slaves are trapped in the power room, and he can't make his pretty lights go on. Dumbass! We should go back there, see if he hires us again, then steal more! His powers would fry our brains. You saw his slaves, nothing in their hands. So shut up and relax. Ok, donc ça parlait un peu de Lux, apparemment il aurait une salle souterraine où qu'il y a des gens piégés. Vous voyez ce que les ghouls ont dit. Bon, on peut pas trop leur faire confiance non plus, mais faut garder ça en tête. Vous voyez un peu comme ça nous aide les dégâts. Elle fait directement 10. Elle fait directement 10 de dégâts, quoi. C'est un peu bizarre. C'est un peu abusé. Là on a du 24. Follow me. Est-ce qu'il y a des objets aux alentours? Oh! Le Mimir, je l'avais oublié, on le fera après. Donc ça c'est un Mimir Z600. Un robot automatisé, tout ça. Il est pas extrême. Alors les Mimirs sont difficiles, oui, parce que ce sont des robots qui font extrêmement mal. Mais le truc, c'est que les EMP marchent extrêmement bien sur eux. Donc du coup... Voilà, elle devrait être à 100%. Ah, très bien. Say my name, Chizwipe. It's Pharaoh. That's right. Voilà. Et maintenant on est bon. Vous voyez, 10 et après on fait 2 fois 7. Vous voyez que elle va vraiment nous aider, mais alors d'une force. C'est même un peu abusé. Faut bien la jouer par contre, comme j'ai dit, faut bien la jouer, faut bien optimiser les armes. Faut augmenter les crits au maximum avec elle. Et après, franchement, ça vous fait 60% du jeu, quoi. Casque de gladiateur pour t'immuniser contre les coups critiques, c'est cool. Là, c'est plutôt cool. Get over here. Ça va être pour lui. C'est exactement le même qu'on a, mais bon, il est plus joli, on va dire. Il est un tout petit peu plus joli. Pièce d'arme, après il y a le robot, ça on le fera après. Faudrait que je me rappelle, je vais peut-être oublier de faire le robot. Parce qu'il est, en fait il est caché dans la zone un peu. Donc il nous reste plus que 3 mecs. Enfin, honnêtement on peut le faire. Honnêtement, on pourrait finir la zone. On va revenir au robot. Mais les 3 mecs, en fait, ça va être simple. Alors, ce qu'on va faire... On va revenir au champ de métal. Les 3 personnes... Alors, il y a un tank, après un chasseur et un... Et je sais plus quoi. Ce qu'on va faire, en fait, c'est utiliser, bien sûr, donc...
notre mec là qui peut contrôler les gens. Ouais, c'est bon. Qui peut contrôler les gens. On va en prendre un sur les trois. Celui-là qu'on va contrôler, en fait, on va le mettre devant le tank. Donc du coup, bah, le tank va vouloir attaquer le mec qui est devant lui, quoi, tout simplement. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur l'autre, le tuer. Et pendant que le tank, en fait, est en train de combattre le machin, là, celui-là qui est... Attendez, on va se faire celui-là. Est en train de combattre le mec qu'on a contrôlé. Et ben voilà, on se débrouille. Enfin, on les tue petit à petit, et en théorie, si ça se passe bien tout ça, on se fait pas toucher du tout. On se fait pas toucher du tout. Très très simple. C'est comme ça que je combats les gladiateurs. Les gros tanks. Je sais plus si on l'a fait, je crois pas. Mais vous rappelez des tanks niveau 55 au début du jeu? Bah on peut aller les faire maintenant. Et en théorie on peut les tuer facile parce qu'on va prendre possession d'un mec. Et on va se concentrer sur le tank. Le tank va vite crever au bout d'un moment. Et après on finira le mec qui est contrôlé. Quoi. Give up now and I'll go easy on ya. Gotcha. Move it. Oh, on va se le faire. C'est pas grave si elle fait pas de critique. Ah, ça a marché. Alors après avec Pharaoh aussi, parce que je vais vous donner plein d'indications avec Pharaoh hein, de comment moi je l'ai utilisé pour défoncer tout le monde. C'est que... Alors elle a 100% de critique quand elle est cachée, facile. Mais le truc que vous pouvez faire aussi c'est 5% de critique en AOE, c'est-à-dire que vous utilisez son habilité qui permet de tirer sur plusieurs cibles. Alors les pourcentages vont être entre 75 et 50% par rapport à l'arme que vous utilisez et la distance. Mais si elle est cachée à ce moment-là ou alors en hauteur, bon déjà vous pouvez déjà augmenter ce pourcentage. Mais si elle est cachée, vous allez faire 100% de crit sur plusieurs cibles. C'est abusé. C'est abusé comme ça peut détruire un groupe de ghouls ou un truc comme ça. C'est un peu abusé. Donc voilà, Pharaoh est une des meilleures. Et une des meilleures en tout, quoi. Non, tout en combat et en infiltration aussi. On va attendre qu'ils reviennent. On va faire le coup. Comme ça, elle sera plus avancée. Elle aura un 100% de crit. Enfin, 100% de chance de toucher. Voilà. Son truc il est pas rechargé encore. Ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de EMP, c'est pas grave. Ok, maintenant c'est grave. Ça va, il nous a pas entendu l'autre. Trop loin. Ah tiens, c'est vrai que lui aussi il a une arme MP, j'y pensais plus. Mais lui c'est 30% je crois. Come on. Ah, très bien. On a 33, donc je crois qu'on peut augmenter le fusil. Pour augmenter le fusil niveau 2. On a lui là. Je pense qu'on va se le faire.
ça. Je voulais en fait tester ça, si ça marchait. Hop là. Vous voyez, dans la lumière, plus 25%, donc voilà, ça annule le problème. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire ça. On va dire que c'est utile pour des coups comme ça, parce que imaginez, là, coupe-circuit, il est pas présent, il est pas bon, il est en rechargement. Bormin, il a son habilité pour faire tomber, qui est en rechargement aussi. Là, vous utilisez ça, vous avez 75% de réussir, donc vous avez quand même 25% de chance de vous louper, et ça risque de vous foutre dans la merde. Donc à la limite, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez complètement utiliser ça. Et ça permet aux gens de rester plus loin aussi. Parce que vous compensez les 25% perdus avec la lumière. Ah, et ça dure plusieurs tours, je crois. Ouais, donc même ça, ça peut être... Il y a une utilité quand même. Il y a une utilité en combat. Et il y a une utilité en dehors des combats, genre là, comme ça. En faisant des kills silencieux. Beyond this farm is the Nova Sect base. That's probably where they're holding your friend Hammond. If you want adventure, you're about to get it. Ok. On va découvrir la zone. Comme ça s'est fait. Après, ce qu'on va faire, on va descendre. Vous voyez, avec la tête de corbeau là. C'est là qu'on va aller en premier. Parce que Hammond, on va pas le trouver maintenant. Ne vous inquiétez pas. Ça va être dans un petit moment quand même. Hein. Même un grand moment. De retour ici. Je regarde donc. Lui, non, Dux, il a l'habilité. Ah non, il a pas l'habilité. Ah. Là-bas, il y a un objet. On le voit au fond. Ouais. Eh ben, ils ont pas l'habilité. Ils ont aucune habilité apparemment. Donc il faut encore tuer au moins une personne. Mais je pense que ce qu'on va faire... Je crois qu'il en reste deux. Non, il doit en rester plus. Là-bas, le côté droit, là. Il en reste encore. Hein. Parce que je sais qu'il y a les deux du milieu. Qui se font face à face. Et après, il devra en rester encore, hein, je pense. Ouais, lui, par exemple. Ah non, c'est les deux. Ah, peut-être que... peut-être qu'on a fini. C'est possible qu'on ait fini la zone. Du coup, on peut balancer une UMP. Ouais, je crois qu'on a fini la zone complète. Ok. Coupe-circuit est pas prêt. Là, oui. On va mettre des MP à tout le monde. On va mettre des corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais désactiver les animés robotisés. Ok. Faire du crit. Comment on pourrait faire? Parce que j'essaye de réfléchir si on peut éviter de balancer une grenade, mais bon. Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier, quoi? Alors, on va tester. Yes! Ok, bien. Alors, honnêtement, ce qu'il nous faudrait, c'est que le tir du pistolet des anciens bloque celui-là, comme ça on n'a pas besoin d'utiliser de grenades. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Ça m'aurait étonné.
Non, non, ça fait rien sur Borny. On peut changer d'arme. I did that. What do you think about that, huh? Ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment cool. You don't know who you're messing with. Too easy. Voilà, et donc. Faire tirer avec le flingue. C'est bon, il est redevenu. Il est reparti à deux tours. Oh la vache. Voilà. Très bien, on a récupéré notre grenade. Enfin, on n'a pas récupéré notre grenade, mais ils en ont droppé une. Ah, le truc qu'on aurait pu faire aussi, bien sûr, c'est... faire deux coupes-circuits ou alors un coupe-circuit puis après faire tomber, mais là du coup on a les habilités qui sont prêtes et on a utilisé un EMP. Comme j'ai dit, plus tard on va rencontrer de plus en plus de robots, certains des gros forts qui font mal, donc les EMP vont être quand même utiles, hein, vont être très utiles. Je crois qu'on a fini la zone, hein. Je crois qu'on a fini la zone, ouais. On a zappé tout le monde. Faire juste un tour, au cas où. Surtout pour les objets. Mais voilà, si vous êtes équipé comme moi, franchement, c'est vraiment une zone d'expérience. C'est très simple. Il y a genre... Il y a peut-être 10% de chance que vous vous loupiez, mais vraiment, si vous ne faites pas attention. Putain, il m'a fait peur. Je crois que c'était un chien. Honnêtement, c'est assez safe. Et comme j'ai dit, si vous n'avez pas les habilités, vous faites pas chier. Essayez pas votre chance. Sortez de la zone, allez trouver quelqu'un qui traîne. Et allez les tuer. Okay. On va aller récupérer la clé de l'autre. Ah, par contre, là, il va falloir un peu s'équiper. Là, on va finir ça. Alors toi, tu as assassin silencieux et ça. Voilà, très bien, on a ça. Ça va être utile. Ce que je voudrais à la limite, c'est récupérer... C'est récupérer le taunt. Le taunt. Le provoque, en fait. Ça nous aiderait beaucoup. Ça nous aiderait beaucoup. Toi, tu peux zapper. En fait, ce qui est un peu bête avec lui, c'est que zapper, en fait, vous allez quasiment jamais l'utiliser. Ah, pourquoi? Parce que si vous jouez un peu comme moi, alors, enfin, quoique dans un sens, ça marche dans les deux, cas. C'est-à-dire que si vous reste genre 2-3 ennemis, ça fait pas vraiment assez de dégâts. Ah oui, aussi on m'a dit, on avait testé, apparemment ça fait beaucoup de bruit, donc les gens l'entendent, c'est pas une attaque silencieuse. Ça, ça fait pas assez de dégâts. Bon, ça va sur plusieurs cibles, mais ça fait pas assez. Et vous allez utiliser Marionnettis la plupart du temps encore pour prendre une personne sur les trois qui restent, et vous allez l'utiliser. Et du coup, vous allez pas pouvoir switcher d'habilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en cours de combat, vous pouvez pas switcher. Donc du coup, au final, vous allez toujours rester sur le Marionnettis. Et ça, je trouve ça un peu bête. Bouclier psionique, alors c'est ultra utile, sauf que nous on n'en a pas vraiment l'utilité. Pourquoi? Parce que notre mec en fait va être très très loin très souvent. Et après les deux c'est pas vraiment utile non plus parce qu'il va pas vraiment l'utiliser. Le mieux c'est d'avoir le brise-crâne pour lui. Mais bon, pour l'instant on va prendre ça. Et on va garder la course, on va prendre la course.
elle. Ça, c'est ça. Pollution surélevée. Ah, très bien. Ouais. On va rentrer à l'arche. On va refaire notre équipement vite fait. On va monter le fusil à pompe, tout ça, niveau 2, machin et tout ça. Et après, on va continuer. Your search for Hammond opens your eyes to an undiscovered country, huh? Wondering if paradise lies beyond the zone. Enclaves filled with happy people. The enclaves are empty. The best and brightest all destroyed themselves. They were only human. What else could they do? The restlessness and rage of the outside world slowly seeped into their hermetically sealed utopias. And soon they were all at war. They all killed each other. For what? Why would they do such a thing? I don't know. Maybe they were bored. There is no paradise beyond the zone. Don't go looking for it. Your home is here. Goodbye, stalkers. Goodbye. Fixed boss was my dad, and my dad just... So now you're stuck with me. What do you want? Yeah. Il va être très joli après en niveau 3. Donc on a notre fusil. Franchement, c'est le boomer, il est vraiment cool. Alors, on a ça, on est bon. On a toujours toutes les armes, c'est bien. Take it easy. So good to see you, stalkers. Ah. Œil rouge. Très bien, c'est ce que j'attendais en fait. C'est pour ça qu'il faut garder des machins. C'est pour ça, j'attendais ça en fait, j'attendais ça sur qu'elle vende ça. How's it going? Alors là on a 10%, c'est lui qui a l'œil rouge. Ouais, donc on va mettre... Voilà. Et si je dis pas de conneries, on devrait en avoir un tout troisième après. Donc les armes silencieuses vont avoir des yeux rouges. Voilà, très bien. Take it easy. Très bien, on va équiper l'équipe pour le combat cette fois. Donc on va faire ça. Donc toi... Il va avoir un tank, donc on sait jamais. Le mieux, ça serait d'être immunisé contre les charges, donc charge critique. T'as la charge du sanglier, on va la garder, t'as ça. Alors ça, c'est vraiment utile. Mais ça marche très bien, en fait, en combinaison avec le provoc. C'est pour ça que ça va être la prochaine chose que je vais débloquer. Puis après, on se concentrera sur les HP. C'est que quand il va se faire toucher... Il va émettre de la fumée. Alors, c'est vrai que j'ai pas encore joué avec des fumigènes. J'ai pas vraiment montré. Attends, voilà, comme ça. Il n'y a plus de point d'exclamation. Mais les fumigènes, en fait... Alors, c'est un rayon de 3.5. C'est pas mal. C'est 3 cases sur 3, je crois. Et dans la fumée... Alors, vous pouvez pas tirer à travers la fumée. Vous pouvez pas tirer dans la fumée. Et vous pouvez pas tirer depuis la fumée. Donc, en gros, s'il y a une fumée, c'est un mur. C'est un mur complet. Et du coup, mais vous êtes complètement à l'abri, parce que si vous mettez dans la fumée, ben, plus personne ne peut vous tirer dessus et vous êtes tranquille. Bon, par contre, les attaques de mêlée continuent à marcher, mais vous êtes tranquille, vous êtes vraiment tranquille. Et lui, en fait, c'est qu'il va émettre après de la fumée sur sa case à lui s'il se fait toucher une fois. Et du coup, les ennemis ne vont pas pouvoir lui retirer dessus. Et ça, c'est vraiment cool. Et du coup, en fait, si vous en faites une sorte de tank avec l'habilité pour provoquer les gens, ben, au pire... Il va se prendre une balle, mais il va pas s'en prendre plusieurs d'affilée. Et ce qui est marrant, c'est que la fumée reste pendant 3 tours, je crois. C'est un peu abusé. Donc vraiment cool. Lui, on va pas l'utiliser en combat. Je vais lui donner ça pour le moment. On va utiliser notre
Oups, pardon. Notre psy préféré. Tu vas prendre l'arbalète, tu vas prendre le fusil d'assaut. Bah, très bien, donc grenade ça. Ouais, t'as qu'à garder ça au cas où. Donc immunisé contre les dégâts critiques, c'est bien. Pharo, absorbe les dégâts de feu, ouais. On a multi-tir. Ça va nous aider. Mange-mort, putain, à chaque fois, désolé. Mange-mort, c'est bon. Les habilités là, actives de tout ça, ça va pas vraiment être très très utile pour lui. Déplacement, portée de l'arme, comme ça il restera vraiment à distance. Et voilà, là on est bon pour, pour tuer, on est vraiment très bon pour tirer et tuer des gens. Très très bon. Donc on va y aller. Ça c'est le menu. Donc c'était là, les noms éclairés.